C'est une grande joie, après un été studieux, de pouvoir vous présenter ce qui se veut vraiment un projet exploratoire et participatif, tout à fait dans la lignée de cette renaissance de l'association. C'est un projet auquel je pensais depuis un petit bout de temps, et puis mon horizon s'est éclairé le jour où je me suis dit, mais tiens, je vais demander à Ellie de me rejoindre pour la réalisation. Ellie est une ancienne du master, historienne de l'art, promo. En 2011-2012. Voilà, on se fait tous mal en se rappelant. voilà, et effectivement, nous avons beaucoup travaillé, vous avez beaucoup travaillé. Puisque j'ai insisté déjà à plusieurs reprises sur l'importance, enfin, nous avons insisté sur les mémoires et sur les études opérationnelles. Pour ceux qui ne sont pas des anciens du master, vous saurez que le master, la pédagogie du master est arrimée depuis le début, et cette intuition qu'ont eue Janine, Isabelle et Monique de faire des études. Enfin, d'ancrer la pédagogie sur le terrain et de faire des études et des vraies commandes. Et nous avons donc chaque année une, deux, voire trois, les années très très chargées, des commandes qui nous sont formulées, dont il est entendu auprès des propriétaires et gestionnaires que ce ne sont pas des projets, mais vraiment des études, des diagnostics historiques et paysagers qui sont de l'ordre de la recherche. Ceux qui sont intéressés pourront trouver des petits dépliants qu'on a fait à propos de ces études. Mais ces études opérationnelles ne sont qu'un pan de la pédagogie du master. On peut aussi faire son diplôme avec un mémoire de recherche ou alors à partir d'un stage, mais toujours ancré dans un lieu. Et c'est pour ça que, voyant ces 300 mémoires, voyant ces 600 noms, j'ai eu envie, de faire non pas un atlas du jardin historique en France. Je pense qu'il y a déjà, pas mal d'acteurs qui, ont des outils beaucoup plus performants que nous, d'ailleurs, pour, référencer les jardins remarquables, référencer, les différents jardins, par le CPJF, mais plutôt un atlas de cette redécouverte des jardins historiques. Pour ces 30 ans, donc 92-2022. Donc projet exploratoire parce que c'est un projet aujourd'hui on va vous présenter que la première étape. Une seconde a déjà un calendrier. Ça sera pour mars lorsque nous aurons non pas 27 fiches dont je vais vous parler, mais 30, mais 100. Et puis ensuite, il va falloir qu'on réfléchisse à la manière de faire et d'aller notamment trouver du soutien institutionnel et financier pour le faire. Alors voilà. Cet atlas que vous pourrez donc aller voir, on en a ligoté trois dans la salle au fond, n'hésitez pas à aller les voir. Vous connaîtrez Méréville, lieu assez fondateur pour le master et où beaucoup ont été. C'est une image produite même par une équipe du master. 3 décennies donc de mémoire de stage et d'études avec différents directeurs de recherche. J'espère ne pas en avoir oublié, mais il y a aussi des co-encadrants qui nous rejoignent de manière plus ponctuelle. Je pense notamment à Lynn Lecoeur et Yves Cranga. Pour lequel nous avons donc réfléchi à la manière de les référencer. Alors, ça a été un gros travail. Mais merci à tous d'avoir déjà participé à la formation, à Stéphanie également de m'avoir fait l'honneur de participer au montage de cet atlas. Les cartes qui sont présentées au sein de l'ouvrage, dans l'idéal, elles essayent de pointer des sites en particulier dans le temps par décennie. Donc, on a choisi trois couleurs au début parce qu'il y avait 30 ans, mais on s'est aperçu qu'il y avait des études en cours qui n'appartenaient pas à cette carte. Tous les questionnements qui peuvent paraître très triviaux quand on voit les points, les carrés, les poils, sont au final le fondement le fruit, voilà, d'une réflexion qui est autour du choix des couleurs, des toponymes également, parce qu'on ne peut pas marquer le titre d'un mémoire entièrement sur une carte, c'est pas possible, ça rend les choses beaucoup plus difficilement, surtout difficilement compréhensibles. Et on a essayé quand même de faire quelque chose de précis, pour permettre aussi de futurs développements, que tout le monde puisse enrichir l'atlas avec une fiche ou même des idées. Il est a priori organisé géographiquement et chronologiquement, de la naissance de la formation à nos jours, avec les premières soutenances donc en 1992. Il a été promis de les regrouper par décennies pour pas qu'on ait des couleurs
qui allait d'un spectre vraiment très lumineux à très noir. Et pour que 30 ans de colorimétrie ne soit pas non plus quelque chose qui soit pernicieux pour le regard. Dans cette première version de l'Atlas, les points verts et jaunes que vous verrez dans les éditions imprimées ou sur l'ordinateur que je laisse à disposition de temps en temps, représentent les fiches qui nous sont versées pour l'occasion ou qui le seront prochainement pour la deuxième session de mars. On a distingué donc ce qui est réalisé par les étudiants lors du master, ce qui a été réalisé mais qui fait l'objet d'une fiche, et enfin ce qui est potentiellement le travail des anciens du master, mais qui n'appartient pas à la formation, qui n'a pas été encadré, et n'a pas fait l'objet d'un mémoire, d'une sanction par les encadrants. Autant vous dire que nous espérons que tous les ronds-pleins vont devenir des carrés pleins. L'idéal. C'est l'objectif. Alors, je vais continuer. On a une formation qui a été très ancrée dans son territoire. On vous a montré là la carte des sites étudiés sur ces 30 ans, juste autour de Versailles, dans un grand périmètre autour de Versailles. On voit que l'ancrage géographique a été important. C'est aussi celui de nos réseaux et puis aussi celui de ce qu'il est raisonnable de faire à partir du master. Malheureusement, le master est à Versailles et pas à Bordeaux, à Pau ou plein d'endroits où on aimerait aller beaucoup travailler. Alors, je vais vous faire un espèce de passage rapide. Ça va vous faire un peu mal aux yeux, mais pour vous montrer, voilà, les 7 premiers sites étudiés, à qui j'ai quand même mis une carte avec leur nom, le domaine de Compiègne, le parc Balbi, le domaine de Versailles, Valléry, parc du château de Chaumont-sur-Loire, Saint-Denis-en-Brionnais et le jardin des plantes de Montpellier. Voilà ce sur quoi s'est penchée la première promotion. Je vais passer plus rapidement sur les prochaines. Vous verrez rapidement, voilà, 13, 21 en 94. Donc là, je les ai mis en cumulé, hein, à chaque fois. Voilà, on voit les points qui se multiplient. Ils sont tous de la même couleur, c'est normal, c'est la même décennie. Si on s'arrête en 2001, 64 étudiés à la première décennie. Donc, on voit arriver, ben là, ça se défile tout seul, comme ça, je n'ai plus besoin de bouger. Voilà. J'espère que vous pourrez l'arrêter tout à l'heure. On en est à. Voilà. Alors là, ça serait bien que ça s'arrête. Oui, non, ça ne s'arrête pas, ça continue. Bon. 216 sites étudiés en 2011. On voit qu'il y a quand même toujours un noyau parisien, mais enfin qu'on va un peu plus loin. Là, c'est tout ce qui vraiment fait l'objet des études du master, hein, les mémoires. Si on continue, alors, vous voyez, là, c'est comme une tache d'huile, nous creusons notre sillon pour arriver en 2020 à 304 sites étudiés. Et puis, voilà, si je mets juste sur la dernière décennie, 2000. Non, 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 ça ne va pas. Sur la dernière décennie, donc, où on a remis les noms, vous voyez qu'on a. Ah. Pourquoi il ne veut pas? Pardon. Je vous fais mal aux yeux. On en a un peu dans toute la France. Dans la réflexion sur, effectivement, dont parlait Élie, comment représenter, quel titre mettre pour que ça reste lisible sur une carte, que ça veuille dire quelque chose, sachant que là, on est dans une version qui est encore pensée pour le papier, mais qui doit déjà, pour ne pas avoir à refaire le travail, se préparer à quelque chose qui soit en ligne. Et que on a donc passé notre été à chercher les codes INSEE des communes, puis à localiser très très précisément le jardin, de manière à ce que quand on va zoomer, on soit effectivement sur le jardin et pas dans sa commune. Parce que si vous mettez par exemple le parc de Bourron à Bordeaux, on se retrouvait sur les quais de la Garonne et ça n'allait pas très bien. Ce que nous vous présentons là et qui s'est matérialisé dans cet ouvrage, c'est donc 27 fiches déjà faites. Je remercie beaucoup ceux qui ont joué le jeu. Et dedans, ça a une bonne représentation. 9 fiches sont des études liées au JHPP, donc des gens qui sont revenus sur des mémoires qu'ils ont faites dans le sein du JHPP, en équipe ou tout seul. 18 qui nous ont été proposés par les anciens diplômés, qui sont donc des gens qui sont, et on va voir à différents titres, et on a déjà une promesse c'est pas une promesse de don, mais une promesse de fiche de 34. Notre objectif étant d'arriver à 100 avec un rendu en janvier et publier en mars ces 100 premières fiches de l'Atlas de la redécouverte.
Alors, voici les sections que les gens rentrent, qui montrent bien que ça témoigne des recherches qui sont menées. Ça doit permettre l'analyse et la critique, avec donc une présentation sommaire du site et de l'intervention, des grandes dates et des grandes figures, dire ce qui a été fait, on y reviendra, une description de l'état du jardin, quelles sont les sources convoquées, quelle est la problématique abordée. Et c'est pour nous une section très importante parce que ça n'est pas juste se projeter vers un jardin, c'est voir quels ont été les sujets levés, des photos, et puis ce sont des dates, des fiches qui sont signées. On peut bien sûr imaginer que plusieurs personnes fassent des fiches sur le même lieu. On y reviendra. Alors, voici la première, à tout seigneur, tout honneur. J'ai mis une fiche proposée par Marie-Hélène Bentière qui nous a proposé une fiche action. Donc, ça, on les a appelées fiches action. Ça n'est pas dans le cadre d'un JHPP. C'est un travail qu'elle a fait, elle. Une étude en vue d'une protection. Vous pourrez aller voir l'essentiel, enfin, la fiche dans son détail. Je vous ai montré là, notamment, la fiche où on voit les documents. C'est une manière de faire apparaître aussi tous les documents que les uns et les autres vous avez pu exhumer avant d'éviter qu'ils ne se réenfouissent dans les archives. Une autre fiche action, on peut revenir sur une intervention de maîtrise d'œuvre. C'est là Noémie Mallet qui a développé son mémoire fait au sein du master avec une proposition de jardin qu'elle a fait à Valençay. Vous voyez que chaque fiche, grâce à Ellie, voilà, est bien référencée. Une autre type de fiche action, là c'est la médiation. Mathilde Carpentier qui est en ligne nous a proposé, et ça a été vraiment la fiche martyre, la première qui est arrivée. On a fait beaucoup d'aller-retour avec elle pour affiner ce qui pouvait être raisonnable de faire dans le cadre de ce qui reste quand même un projet de recherche avec des moyens faibles. Mais j'ai trouvé intéressant qu'elle nous propose quelque chose sur la médiation. Ça fait aussi partie des sujets qu'on aborde au sein du master. Là, c'est celle du zoo de la Tête d'Or. Vous irez voir l'affiche. Autre type d'action, pour le coup, un mémoire qui a été développé par Anthony Mélé d'une récente promotion. Il a fait ce mémoire de manière autonome. Ça commence à donner des pistes de travail pour la mairie sur laquelle est situé ce jardin. Donc, chaque fiche, c'est l'occasion de le dire, est datée. Au sens où l'action qui concerne la fiche est datée. Et c'est ça qui va, on va y revenir, nous permettre de faire cet atlas de la redécouverte. Puisqu'en effet, on peut avoir des fiches très anciennes et même hors du master. Alors, c'est dans les limites qu'on a essayé de se donner pour cette règle du jeu. Philippe Hiroux, qui est un ancien du master, et il a souhaité, lui, nous faire une fiche sur Maulévrier, sur lequel il avait fait un préinventaire en 82, et a mis dans la fiche des documents tout à fait intéressants où on voit ce qu'aurait pu devenir Maulévrier, ce qu'était Maulévrier quand il s'est penché dessus. Ce qui veut dire qu'à Maulévrier, il pourra y avoir d'autres fiches, il pourrait y avoir une fiche aujourd'hui sur la manière de jardiner. Vous voyez, ça laisse ouvert. Les fiches sont datées et c'est ça qui nous importe, c'est ce que ça va pouvoir permettre de faire au long terme comme projet de recherche sur la façon dont on a regardé les jardins. Alors, voilà, ça permet aussi, si on prend un peu de hauteur, de se dire, ben voilà, ici, d'insister plus sur le rôle infrastructurel de ce jardin, sur lequel une équipe, dont certains sont ici, a travaillé, à Bourran, près de Bordeaux. Ça n'a pas bougé. Bien sûr, le MAS, c'est un atlas des jardins historiques, de la redécouverte des jardins historiques en France. Nous avons eu la chance d'accueillir des étudiants étrangers. Et puis, nous avons qui ont fait leur mémoire sur des sujets qui n'étaient pas liés à la France, et puis qui continuent à travailler. Donc, ça a aussi vocation, et il faudra voir comment, à accueillir des fiches étrangères. Et là, peut-être que quand même, la limite qu'on se mettra, c'est que c'est par des anciens du master. Tout ça sera à voir. Enfin, vous voyez qu'il y a même eu des mémoires sur des paysages à Chicago, totalement infrastructurels pour le coup, et sur un vignoble au Chili. Alors, la Belgique, et je salue nos amis belges venus nous rejoindre, est un pays où il y a eu pas mal de travail. Et là, vous voyez, sur cette carte, il y a une petite étoile. C'est l'affiche qu'a fait Dominique Pinon sur Eight Forest. Donc, c'est typiquement le cas, un ancien JHPP qui fait une fiche sur un travail qu'il a développé après. Tandis qu'il y a un carré
qui est la fiche, une fiche qui est une étude GHPP qui va être développée, et puis des points encore à venir. Voilà, une fiche action, donc je vous en parlais par Dominique Pinon, qui pour une opération de maîtrise d'œuvre, où il revient, et c'est une chose sur laquelle j'insiste, sur le devenir depuis l'intervention. Cette fiche est datée, elle a été rédigée en 2023. Il se trouve que c'est une action qui a déjà 7-8 ans. Voilà. Et depuis, il est capable aujourd'hui de dire ce qui a été fait, pas fait, etc. Ça nous semble très important pour que ça soit pas, qu'il y ait une dimension quand même dynamique. Alors, c'est Élie qui a œuvré au découpage en région. On est forte maintenant en région et en code postal. Deux exemples de régions un peu plus fournies que d'autres, la Bourgogne-Franche-Comté, où Frédéric Tesna nous a donné plusieurs fiches, notamment donc qui sont avec des étoiles. Ça se voit peut-être pas très bien là, mais quand on zoome, ça se voit bien, puisque ce sont des choses qu'elle a réalisées depuis. Non, pardon, c'est pas Frédéric Tesna, c'est Emmanuel Parizeau, pour un type d'intervention, donc une étude, puis un plan de gestion. Mine de rien, faire tenir tout ça en 4 pages, 2 à 4 pages, n'est pas facile, et c'est là où la problématique est importante, arriver à condenser finalement quels étaient les enjeux de ces projets. En Auvergne, pas mal d'anciens qui sont installés, qui travaillent, qui ont fait des études, donc vous voyez, il y a plein de points qui devront être remplis. Certains le sont déjà avec des étoiles, notamment par Frédéric Tesna, donc, pour un plan de gestion, notamment. Alors, on a changé d'échelle, c'est pas du chauvinisme parce qu'on est à Paris, mais il y avait un cluster au niveau de l'Île-de-France. Donc, l'échelle de la carte ne permet pas de rendre compte de tout avec précision, on est obligé de faire des choix, et il nous a semblé convenable de disposer les éléments afin de servir un propos, qui a fait quoi, à quel moment, où et dans quel cadre. Donc, les choix sont des fois arbitraires. La carte devient alors un support, le support des travaux menés dans le temps long, de 91 à nos jours. Mais on voit aussi que des pictogrammes qui représentent un même site peuvent se côtoyer. Quand on lance un géoréférencement avec des systèmes d'information, on peut, vu qu'on a la même adresse, du coup avoir des points qui sont les uns sur les autres. On les a séparés parce qu'on veut vraiment montrer qu'il y a deux choses distinctes. Donc, c'est pas, ça reste de la représentation, c'est exactement le même rapport à l'image. La diversité des études qui ont été réalisées lors de la formation est également un gros problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout, enfin, c'est pas un problème en soi, mais on ne peut pas représenter les études transverses et thématiques à travers la cartographie. Il n'y a pas de lieu précis, c'est pas géoréférençable. Et du coup, en termes d'interrogation, donc bienvenue aux idées si... Alors, on a quand même essayé, et notamment pour tout ce qui relevait de la politique. Enfin, il y a pas mal de mémoires qui se concentrent sur les politiques, notamment du ministère de la Culture ou des régions. Et dans ces cas-là, on a arbitrairement décidé que c'était Paris le centre, quand c'était par exemple une étude sur le label Jardin Remarquable. Mais ça pourra effectivement être retravaillé. De même que j'ai situé aux Tuileries, de manière pas si arbitraire que ça, le travail sur le fonds Gannet qui a fait l'objet d'un mémoire. Donc vraiment, c'est... on a essayé de réfléchir et on continuera de le faire, ce qui permet de rendre compte de cette redécouverte. Et c'est pour ça que c'est important que les fiches petit à petit soient remplies pour qu'on aille regarder dans le détail au-delà de ces points qui finalement sont très frustrants. Donc bien sûr, au moment d'élargir le projet, on peut se demander quelles sont les bornes temporelles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on accepte ? Est-ce que une étude faite en 77, par un ancien du master qui aurait été très très précoce et aurait fait ça au berceau, est-ce qu'on la met ? Qui, au-delà de ce que j'ai appelé l'environnement GHPP, pour le moment, l'appel a circulé parmi les anciens du GHPP et tous les intervenants du GHPP. Tout ça est pour le moment financé sur les fonds propres du master. Il faudra qu'on réfléchisse à la manière d'élargir. Pour le moment, en tout cas pour la deuxième session,
ça va rester JHPP et assumé pour montrer ce rôle qu'a eu le master. Au-delà, bien sûr, on est prêt à y réfléchir. Il nous semble déjà qu'avec 600 diplômés, ça devrait permettre de remplir un certain nombre, enfin de, voilà, un certain nombre de points et de montrer cette richesse, puisque pour le moment, les points qui étaient indiqués sont ceux sur lesquels il y a des études à venir. Dans les études JHPP, à venir, il y a bien sûr tous les projets qui ont été faits par les anciens de JHPP aussi. Donc, la carte, la France pourrait être beaucoup plus densément comblée. Et puis, bien sûr, réfléchir à la manière. Donc, ceux qui ont fait des fiches aujourd'hui sont en général retournés voir les gestionnaires et propriétaires pour soumettre ou discuter sur la fiche. C'est un élément important. Et auxquels nous serons attentifs, mais nous espérons que les propriétaires répondront présents pour qu'on puisse y compris publier quelques beaux documents qu'ils ont ou des choses comme ça. Toutes choses à réfléchir, ce que nous ferons à partir de janvier, dans la période où on va commencer à réfléchir à un élargissement du projet. Comment aussi rendre compte des actions jardinées d'une redécouverte finalement très très ténue sur le long terme. C'est Hiroko Endo qui a rendu compte d'un travail que sont en train de faire qu'elle fait aux côtés des nouveaux propriétaires de la villa Midori no Sato. Vous ne serez pas étonné de savoir que Edouard André en est le concepteur. Voilà, comment, parce qu'il n'y a pas de plan à montrer, c'est une action. Donc, comment on rend compte aussi de ça et qu'est-ce que cet atlas permet d'inclure, jusqu'où on peut inclure cette dimension jardinière et l'enfermer dans une fiche finalement. Donc, pour le moment, en n'ayant que 27 exemples, forcément, la dimension chronologique est encore assez faible, parce qu'on a beaucoup de fiches qui sont assez récentes. On va dire l'essentiel des 27 fiches date des 8 dernières années. On espère que va venir se renforcer les premières, que les gens vont accepter de revenir sur des travaux qu'ils ont faits il y a déjà un certain temps, qui permettra vraiment cette redécouverte. Et c'est un des enjeux importants. Et puis au sein des régions, vous verrez là, les régions qui seront affichées, on mettra une fiche chronologique pour qu'il y ait à la fois toujours l'entrée chronologique et l'entrée territoriale. Voilà, dans les choses à bien réfléchir, Angèle Denoyel, ici présente, nous a proposé une fiche faite en 2023 sur un travail. Une action faite en 92, par Jacques Sgarr. C'est issu de son travail de recherche. Et donc, c'est déjà une fiche sur 92, mais avec une lecture critique. Donc, tout ça va nous poser des questions intéressantes en termes de rigueur méthodologique. Comment est-ce qu'on distingue bien les acteurs de ceux qui vont ensuite faire une lecture critique de ce qui a pu être fait? Voilà, Axel Lefranc nous a proposé une fiche sur un alors c'est pas la dernière version, pardon Axel, je n'ai pas pu l'introduire. Il vient de prendre son poste à Compiègne et nous a proposé une fiche sur la reprise du plan de gestion et la médiation des documents de communication. Donc là aussi, c'est très récent. Peut-être qu'on fera une section, qu'on distinguera les fiches qui sont de l'ordre presque de l'immédiateté. On travaillera à ça quand on aura un corpus un peu plus important. Pour le moment, on est assez maître de nos pictogrammes, etc. Le projet va pouvoir continuer. C'est aussi le lieu, cet atlas, de revenir sur les lieux. Le master a pu faire deux études, par exemple, à Eskelbeck, la première en 96 et puis la plus récente en 2021. L'équipe a fait une fiche. Sur celle de 2021, il serait intéressant que celle de 96 se replonge dans ses archives et puisse en faire une aussi. Et de la même manière, à Rambouillet, on a eu deux études sur deux bouts du domaine. C'est très possible. Enfin, on maîtrise déjà l'outil graphiquement puisqu'on a mis les points très précisément et ça va pouvoir de donner une idée, pour le coup, à presque 10 ans d'intervalle. Des enjeux à un moment T d'un domaine. Voilà, alors il y a des régions en attente. Nouvelle-Aquitaine n'a presque pas de points. Pays de la Loire, je regarde Michel Quentin. Centre-Val-de-Loire.
Alors ça, il y avait des points dans ta région, ça va. Voilà, alors quelquefois il y a des points, mais personne qui s'est proposé pour faire des fiches. Bref, il y a du boulot encore. L'Île-de-France a plein de points qui sont tous ronds, pas carrés. Vous voyez que ça, c'est la version Atlas, donc il y a un côté figé. Ce que à terme, ça donnera quand on consultera. Ce sera vraiment un aspect territorial. On peut se repérer avec les rivières, les forêts. Et Élie est en train de devenir une maître escugis. Voilà. Voilà, on a essayé, y compris dans les choix des supports de cartes, de choisir des cartes qui n'étaient pas des cartes politiques, mais des cartes vraiment géographiques. Voilà. Donc, vous avez compris. Une seule adresse, nous aussi c'est comme pour le master. Faites vos propositions, toutes les informations sont en ligne sur le site du master JHPP de l'école. Il y a une adresse Gmail parce que l'informatique de l'école nous joue des tours, donc là on peut travailler de manière collaborative. Et vous êtes invités, on a donc ces 34 promesses, mais on sera content d'en avoir d'autres. Et puis on sera content, une fois ce deuxième volume fait, de se poser avec qui veut, et les partenaires sont les bienvenus pour réfléchir à la même chose en ligne, parce que c'est un projet qui nous dépasse, qui dépasse l'équipe du master actuel, et on a besoin d'une épaisseur géographique et historique que nous n'avons pas. Voilà ce que nous voulions vous partager. Merci. Alors, pour le coup, on a un peu de temps pour des questions, si vous en avez, ou des propositions, des idées. Hop. Sinon, Élie se propose au moment de pause, nous accueillir dans la salle là-bas avec un ordinateur pour que vous voyez la façon dont on peut se rapprocher au plus près. Et on a fait les affichages par région, vous pourrez aller voir les points. Et aller regarder de plus près ce qui est encore embryonnaire, mais je remercie à nouveau les 27 qui se sont, parce qu'on a fait pas mal d'allers-retours, le temps d'affiner notre maquette, mais je crois qu'on tient un bon modèle de fiche maintenant. Voilà. Il y a une proposition de Florence, si je ne me trompe pas. Allez-y, Monique, posez votre question d'abord. On en parlera personnellement, mais je veux bien comprendre jusqu'où vous intégrez les actions d'anciens. Je pense par exemple à toutes aux 6 ou 7 anciens qui étaient en Vendée, avec lesquels on a fait les expositions. Ben, effectivement, donc il y a eu deux gros catalogues sur l'inventaire des jardins de Vendée. Dans ce cas-là, on a mis l'adresse. C'est un peu comme Paris. Ce genre d'exemple, à mon avis, mérite largement d'être intégré. Oui, bien sûr. C'est pour ça que pour le moment, nous n'avons pas fait une liste fermée du type d'action. D'accord. Et effectivement, alors ce n'est pas de la médiation, mais effectivement, si un collectif veut nous adresser une fiche sur les expositions, la seule chose, c'est qu'il faut que les gens qui proposent des fiches aient été acteurs à un moment ou à un autre de l'action qu'ils se proposent de présenter. Et oui, je pense que c'est très important, en effet, que à la redécouverte, enfin qu'il y ait une fiche qui puisse être consacrée à ce catalogue, en même temps qu'il y en a une sur le mémoire, que le mémoire il sera listé de toute façon. Oui, Isabelle. Dans le prolongement de la question de Monique, j'en ai une sur le lien. Par exemple, il y a beaucoup d'anciens qui se sont occupés d'inventaire. Oui. Et donc, ça veut dire que Paris Cochet, il y a un certain nombre de jardins qui ont été étudiés, en fonction des critères qui étaient adoptés dans chacune des régions ou des départements. Mais est-ce que ça peut ou pas du tout rentrer Moi, je pense que non. Je pense que. Le secteur avec l'inventaire du parc Bernard Lassonne et le Pilon. Alors, c'est pour ça que je pense qu'en janvier, on va commencer à mettre sur place un comité scientifique en réfléchissant un petit peu pour déterminer les critères de manière plus stricte
ou plutôt pour se dire une espèce de feuille de route de quand on a une proposition, comment est-ce qu'on l'accepte, comment est-ce qu'éventuellement on la reformule ou qu'on la précise. Mais pour moi, un acteur un ancien du GHPP qui a fait des inventaires peut tout à fait faire une fiche, mais arriver à faire une fiche globale, ou alors une fiche par jardin, mais on ne va pas substituer tout ce qui existe déjà sur l'inventaire. C'est vraiment l'idée d'une action, d'une action. Est-ce que c'est pour de la médiation, est-ce que c'est pour de l'inventaire? À ce moment-là, moi, je verrais bien une fiche sur inventaire des jardins de la Somme, par exemple, et qui soit référencée. Alors là, on verra où on met les points. C'est la limite de la chose, mais comme on peut rentrer aussi, il y aura des index, évidemment. Donc là, on peut imaginer que dans les index, ça renvoie. Mais effectivement, tout ça est... Pas dans la fiche, la fameuse fiche Gertrude. Et donc, ça pourrait être utile à d'autres, d'avoir connaissance de ces inventaires. Mais encore une fois, il y a plein de projets, il y a déjà pas mal de choses qui existent. C'est plutôt pour saisir une dimension chronologique de cette redécouverte. Donc, il y aurait une fiche sur l'inventaire de la Somme, des jardins de la Somme, et à quel moment il a été fait de manière, l'inscrire dans un déroulé. Et ça, je crois que ça n'existe pas, pour le coup, cette vision-là chronologique. Ce qui ne veut pas dire que, parce qu'il y a eu les pré-inventaires, puis les inventaires, puis encore d'autres actions. Donc, on peut imaginer que sur le jardin, je ne sais pas lequel, qu'il y ait plusieurs fiches successives. Et c'est là où, évidemment, l'outil informatique nous permettra une lisibilité de la chose que nous n'avons pas avec la seule dimension papier.